Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je joue au golf, ça va nickel. Je sais pas si vous me connaissez, moi c'est Charles Lamourette. Donc ça va faire 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et je suis aujourd'hui au golf d'Omaha avec Birdie Agency pour jouer la mer aujourd'hui et le manoir demain. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil, ça me fait très plaisir. J'ai hâte de voir. Une fois, j'ai fait une story, c'était les tout débuts d'Instagram. J'ai fait une story d'un type, en fait, c'était le matin, rosé, je fais un tipi boîte. Et donc je fais la story avec le. Je suis le tracé de la balle, etc. Et là, je me dis, mais en fait, je pourrais faire ça à tous les trous, tous les coups, etc. Et du coup, ça a pris de suite en fait. Ça a pris de suite. Il n'y avait pas de vlog à l'époque français. Du coup, vous pouvez retrouver tous mes réseaux dans le lien dans la description juste en dessous, Instagram et YouTube. Et voilà, à très bientôt les amis. Parce que en fait j'aime bien quand je suis dans les golfs, tu vois. Autant j'aime bien jouer, faire des vidéos, etc. Mais j'aime autant aussi faire des photos de ce que je vois, de ce que je remarque. Et là j'arrive ici. Et c'est con, même aux deux, j'aurais aimé le faire, tu vois. J'ai pas une réaction sur le truc. Mais franchement là c'est canon. Ouais non j'aime bien, j'ai toujours mon appareil sur moi. Ah ouais. Toujours, ouais, toujours. Techniquement, moi là, je joue pas très bien, donc en soi, il a pas l'air très compliqué. Hein. Non. Il a pas l'air très compliqué. Hein. C'est juste. Non. Franchement, je pense que c'est un parcours. Je pense que ce parcours-là, c'était bien dans la balle. Tu peux très vite bien scorer. T'as pas de gros danger. Tu vois, t'as pas de gros piège visuel. Enfin, de ce que j'ai vu, hein, tu fais 4 trous, tu vois. Mais non, je pense que si tu joues safe, tu peux être assez. Comment dire? Si tu joues safe, t'es récompensé pas. Alors, j'aime beaucoup, je préfère largement le manoir. J'ai vraiment bien aimé, dès le 2 et 3, tu vois, les parcours avec, je sais pas, les champs, etc., l'eau au milieu, tu sais, le gros rough, ouais. Tondu et tout. Ouais. Enfin, je trouve vraiment, il y a plus de cachet, plus d'âme. Et même s'il est plus technique, après, je joue mieux. Je joue mieux qu'hier, donc non, mais sans déconner. Non, il est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce parcours. Quoi. J'ai bien aimé le... signature 6 et 7, le départ du 7, ouais. Départ du 7 incroyable, la vue, même le 6 hein, quand t'arrives sur le green avec le port et tout, départ du 7, c'est plus facile qu'ici, bizarrement j'ai moins bien joué mais c'est plus facile, mais ouais détente la mer et golf challenge manoir quoi, ouais là je joue bien, je suis 3 à l'aller et 4 avec le trip d'avant, mais je me suis mis objectif, du coup je vais me mettre objectif 10, du coup il me reste 3 bogeys dans la poche là, 15, 16, 17, 18, je suis encore, mais ouais, j'aimerais bien break les... Bah je sais pas, là je suis plus 7, donc 79. Donc break les 80 ça va être très compliqué, à moins de faire 4 parts, ce qui est pas impossible. Mais ouais. T'es content quoi? Ouais. Non, très bien, franchement très bien, non, très content d'être venu, merci beaucoup pour l'invitation. Là, chaud comme ça, je sors du manoir et j'ai bien joué aujourd'hui, donc je vais être à fond sur le manoir, etc. Ouais. Mais ouais, non, très bien, très agréable, enfin vraiment des belles surprises, j'aime beaucoup les dévers,
Il y a des belles perspectives, etc. Tu vois, hier où j'ai fait la photo et tout, au 3 je crois. Ouais. Vraiment joli, il y a beaucoup de... C'est très vallonné en fait. Ouais. Il y a beaucoup de relief ici. Ouais. Ce qui permet d'avoir des belles vues sur les greens ou sur les fairways, etc. C'est, bah, 6 et 7 de la mer forcément, sur signature. Après le retour, j'aime bien aussi le retour de la mer. Et le manoir, dans le coup de cœur manoir. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il a vraiment une âme difficile. Mais du coup, quand tu réussis à bien jouer, enfin, tes bons coups sont vite. T'es vite félicité par tes bons coups et vite pénalisé par les mauvais. Enfin, ça peut paraître un peu bête dit comme ça. Non, mais il y a les parcours. Enfin, tu sais, c'est un. Enfin, et là, non, vraiment, techniquement, il est très agréable à jouer. Très beau. 2 et 3 magnifiques avec l'eau, etc. 2 et 3 magnifiques. Et après, sur les hauteurs, tout ça pareil. Donc, non, vraiment deux beaux parcours. Plus facile la mer, même si j'ai moins bien joué, mais plus facile la mer. Il y a moins de dogleg. Il y a moins de pièges visuels que le manoir. C'est plus, tu arrives sur le départ, tu sais un peu où tu vas jouer quoi. Il n'y a pas trop de questions à se poser, etc. Et juste, bah, à la limite le 6 c'est un peu difficile. Avec le rough à droite et les bunkers, etc. Tu sais pas trop où jouer. Ah bah carrément, faut venir, faut se tester. Et en plus, mais par contre j'ai pas fait, mais j'ai vu qu'il y avait un pitch and putt. Ouais. Ah, c'est con que je sais pas. Mais non, carrément, il y a tout, il y a 36, du coup attends, 36 trous plus le 6. Il y a 42 trous. Non, bah, carrément, avec le practice sur herbe et tout. C'est vrai que c'est top aussi, ça, practice sur herbe. C'est rare, hein. Ouais. Donc, practice sur herbe et tout. Non, vraiment, faut pas hésiter, quoi. Ok, super. T'es faut content hein, du coup. Ouais. Non, je vais rester un peu là. Je vais taper des balles encore. Super, merci, Charles. Je vais revenir. Je vais essayer de mieux faire sur la mer et faire aussi bien sur manoir. Super, ouais. Merci, Charles. Ouais, merci à vous. Tu gères. Pas de soucis, en tout cas.